ディアブルジャンブ。Salut les amis, c'est Goji et bienvenue au pays de l'harmonie, communément appelé Wano Kuni. Dans cette vidéo, je vais vous exposer une petite théorie basée sur l'illustration qu'a créé Oda à l'occasion du rallye des 20 ans de One Piece célébré à Kyoto, une ville historique qui, dans sa jeunesse, ressemblait apparemment à Wano Kuni, lieu du déroulement du prochain arc. Et justement, cette illustration est là pour nous donner un avant-goût de cet arc tant attendu, et j'ai personnellement relevé 2-3 éléments particulièrement intéressants qui confirmeront certaines théories, notamment celles liées à Kaido et son équipage. Avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai upload une nouvelle vidéo théorie sur ma chaîne secondaire, et c'est une théorie Game of Thrones qui est mise à l'honneur cette fois-ci. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien de la vidéo en description, d'ailleurs ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à ma deuxième chaîne, merci à vous si vous le faites. Donc, cette illustration est l'une des seules choses concrètes que nous avons sur Wano Kuni pour l'instant, et à mon goût, elle nous dévoile de nombreuses choses importantes. On va commencer doucement par l'analyse du personnage en premier plan pour finir en beauté avec l'une de mes théories préférées sur les commandants de Kaido. Déjà, on voit deux personnages aux côtés des Mugiwara qui semblent avoir énormément d'importance. Il s'agit là sans aucun doute d'un couple. Le blond semble doué au combat, il possède un katana, un arc et un carquois. J'imagine que les Mugiwara s'allieront à lui le temps de la rébellion, mais personnellement ce sont ses traits faciaux qui m'intéressent. Vous n'y voyez aucune ressemblance avec Zoro, sérieusement? Non pas sur la couleur de cheveux bien sûr, mais ses yeux, son nez, sa bouche, c'est tout Zoro. Alors oui, certains personnages ont aussi des traits similaires entre eux, justement Zoro et Katakuri qui ont un haut du visage quasiment similaire, mais là c'est encore différent dans le cas du mystérieux personnage de Wano. Ben oui, on s'attend tous à ce que le passé de Zoro soit révélé là-bas, ses origines de samouraï, sa famille et j'en passe. Une telle ressemblance ne peut donc pas vraiment être une coïncidence au vu des révélations que nous risquons d'avoir durant cet arc. Surtout que bon, ben les origines de Zoro ne sont plus tant un mystère que ça finalement. Comme je l'avais analysé dans une vidéo, Oda a sans doute fait de Zoro un personnage originaire de Wano lié à Ryuma. Que ce soit sur le physique ou même dans la mentalité, Zoro et Ryuma sont similaires en tout point. Et puis comme pour un petit foreshadow, Ryuma était le plus grand sabreur de Wano à l'époque, et son sabre Shushui en est devenu le trésor national du pays. Autant vous dire que lorsque Zoro arrivera sur Wano avec ce fameux sabre, il va y avoir énormément de conflits et de remous afin qu'il rende au pays des samouraïs et leur trésor national. Donc déjà, de ce côté-là, je persiste à penser que ce mec doit être lié à Zoro d'une façon ou d'une autre. Puis finalement, ça serait assez drôle qu'un membre de la famille Zoro ait la même couleur de cheveux que Sanji, et que justement, bah, dans la famille de Sanji, un de ses frères a aussi la même couleur de cheveux que Zoro. Bon, ça c'était qu'une mise en bouche, focalisons-nous sur le gros indice qu'Oda nous a laissé à propos des commandants de Kaido. Vous voyez cette créature en arrière-plan, avec la tête d'un Oni, le corps d'un tigre en feu et la queue d'un serpent, ben il s'agit d'une chimère. Dans la mythologie japonaise, il y a énormément de chimères, ce sont des créatures composées de plusieurs parties d'animaux pour en créer une seule. Par exemple, le Nu est la chimère japonaise par excellence et est composée par pas moins de 4 autres animaux. Cependant, celle que nous voyons dans cette illustration, eh bien elle n'existe tout simplement pas. Si mes recherches sont bonnes, il s'agit là simplement d'une création d'Oda. Mais pourquoi créer une telle chose si ce n'est pas pour donner un clin d'œil au futur antagoniste de l'arc de Wano? D'après ma théorie, cette chimère est une représentation de Kaido et de deux de ses autres commandants. La tête qui est celle d'un Oni représente le cerveau, le leader. Il s'agit de Kaido. C'est loin d'être débile car, encore une fois dans la mythologie japonaise, l'Oni est une créature d'une taille gigantesque possédant deux cornes, des poils ébouriffés, armée d'un gourdin et vêtue d'un pagne. Et vous voulez vraiment que je vous décrive Kaido? Eh bien écoutez, c'est simple. Taille gigantesque, cornes, poils, gourdin et pagne. Un peu beaucoup pour une coïncidence, non? Pour le corps du tigre en feu, personnellement, ça me fait penser à la présumée liste qui aurait fuité par un assistant d'Oda. Une liste qui prédisait certains futurs événements de One Piece, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Il était dit que Zoro allait combattre le commandant de Kaido qui était un tigre de feu, et qu'après ça, tout comme les autres samouraïs de Wano et comme Kinemon, il deviendrait capable de couper le feu avec ses lames. Les gens ont eu tendance à rejeter les suppositions de cette liste, comme si ce n'était qu'un fake parmi tant d'autres, et je suis l'un des rares à y croire dur comme fer. Eh bien j'ai l'impression que le tigre de feu ne fera que confirmer cette théorie. Il s'agirait donc d'un Zoan carnivore, après je ne sais pas comment il pourrait générer du feu, mais on a bien vu Luffy et son Red Hawk créer des flammes, donc il se peut qu'un secret sur une nouvelle forme de haki ou d'éveil soit révélé à ce moment-là. Et pour la queue, eh ben pour moi ça ne peut être qu'un seul Zoan, celui du Zoan mythologique, du Basilic. Le Basilic est une créature légendaire représentée dans la plupart du temps comme un serpent avec le venin le plus dangereux et mortel. Je pense donc que ça rentre dans les critères de sélection pour intégrer l'équipage de Kaido. Autre chose intéressante relative à la légende du Basilic, on dit que le seul remède à son poison mortel est une larme de phénix. Et est-ce que vous connaissez un phénix dans One Piece?
Et ouais mon gars, notre bon vieux Marco que Nekomamushi s'est empressé d'aller chercher justement pour combattre Kaido. Coïncidence? Je ne crois pas. Vous verrez, soit Marco combattra le basilic capitaine de Kaido, soit il sauvera la vie de quelqu'un s'il sera fait empoisonner par le basilic. Personnellement, je n'imagine pas autrement le scénario, tout concorde tellement, c'est juste ahurissant. J'ai rarement été autant sûr d'une chose dans mes théories One Piece. En plus, ça rend les commandants de Kaido super intéressants, car ils auraient chaque forme de Zoan, préhistorique pour Jack, carnivore pour le tigre, et mythologique pour le basilic. Je verrais parfaitement ce fou du démon sur une femme d'ailleurs, je ne saurais expliquer pourquoi, mais je tenais à vous faire partager cette petite impression. Et vous les bros, qu'en pensez-vous? Que ce soit de la famille Azoro ou des commandants de Kaido, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et avis. Je vous rappelle d'aller faire un petit tour sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas non plus à laisser un petit like et un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt les bros, peace à vous.